classe verte. C'est celle-là qu'on veut. On en était resté où d'ailleurs? On était resté à. Ah non, on est en 3-1-0. On avait fait un match nul, historique. On avait fait match nul. Ah oui, contre les rats de Naga, là. Oui, je me souviens. Oui, triste histoire, ça. On n'avait pas eu de réussite d'ailleurs sur ce match. Mais bon, bref. Ce qui est important, c'est que on a deux level up potentiels. Comme c'est le premier niveau, je pense que je vais tirer au hasard. Je vais tirer au hasard sur de l'agilité. Et si la compétence est bien, on gardera le coureur. S'il n'est pas bien, eh ben on le virera et on reprendra un tout neuf. Équilibre. En équilibre, en vrai, ça c'est ok. Bon, on en a un qui a sprint et un qui a équilibre. C'est dommage, c'est pas le même. Bonsoir Carfan. Pour la classe verte, on peut parler de Carfan Project. On peut parler de Carfan Project. Bon, bah celui-là, on va le garder. Ça va être deux bloqueurs. Et ben on va tirer là aussi. Après, en vrai, est-ce que pour celui-là, je ferais pas général? Parce que lui, ça va plutôt être un lutteur, tout ça. Parce qu'en vrai, en esquive, il n'y a pas grand-chose qui nous... Enfin, Oui, en capacité agilité, plutôt. Il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse ici, à part le saut. Je vais prendre en primaire, voir ce que ça dit. Lutte. Eh ben c'est parfait. C'est parfait parce que c'est lutte que je voulais lui mettre. Donc c'est win. On aura nos deux lutteurs ici. Et ici on aura nos deux porteurs de balles, one turner, éventuellement tacle plongeur et toutes les choses comme ça. Bon, c'est pas forcément les deux meilleures skills, mais au moins elles sont là. Elles ont coûté moins cher. Donc c'est cool niveau TV. On est à 95 000 pour les trois. Et si je dis pas de bêtises, c'est annulé. Recruter des journaliers. On peut recruter des journaliers? De recruter les journaliers qui ont rejoint votre équipe lors du dernier match. Ah, ça c'est pas mal ça. On peut recruter des journaliers. Intéressant. Et là, ouais, ça nous coûte 10 000. En vrai, c'est cool, hein. 10 000 au lieu de 20 000. Donc, bonne pioche. Bonne pioche, bonne pioche. Et nous allons. Oui, bah, de toute façon, je pouvais le voir là. J'en avais un avec skill choisi et l'autre aléatoire, 95 et 105. Alors qu'un rat ogre, pas du tout. Alors qu'un rat ogre, jamais de la vie. On va. Oula. On va rechercher un adversaire, tout simplement. On va baisser le son aussi. Score du match là, score du match. Putain, j'étais persuadé que ça allait se jouer sur Prime Video là. J'étais tout content, j'avais mis la tablette. Et non. Et non, c'est sur Canal+. Bon, bah, je le verrai ici, ce sera ok. Non, non, le rat ogre, j'ai voulu. Hein, je me suis dit, allez, c'est un nouveau Blood Bowl, je vais essayer tout ça. Mais non, non, hein, c'est toujours autant de la merde, je pense. Hein. Enfin non, c'est pas de la merde, mais voilà quoi, c'est pas mon kiff. Hein. On est en division argent. Il y a un peu de boulot avant d'arriver en haut. Et puis voilà. Et par contre, oui, si dans les 10 premiers matchs avec cette équipe, on en perd deux, l'équipe partira, je pense. Elle partira à la retraite, on recréera probablement une équipe. Non, en vrai, je dis ça, j'en sais rien, parce que de toute façon, je vais pas non plus jouer. Je vais pas spécialement non plus tenter la qualif. Parce que de toute façon j'ai pas le temps. Donc si qualif il doit y avoir, il y a plus de chances que ce soit avec mon autre équipe. Donc ouais je sais pas. On va plus jouer comme ça histoire d'être en full découvring et puis on verra. Et puis on va attendre. Hein. Et quelle heure là? C'est vrai qu'on a lancé un petit peu en avance là. On a un adversaire et c'est un mort-vivant. C'est un mort-vivant qu'on va jouer. Mickey Ritorno d'Agu. Très bien. Popularité 3. C'est une équipe plus récente, je pense. Mais pareil, les morts-vivants, faut les acheter, non? On les a pas de base, je pense. Que ça me dit rien, cette équipe. Mettre un peu plus. En attente de l'adversaire. Équipe de départ. Alors, on a de la régène, on a quoi? Des ghouls. Donc, les ghouls, c'est quoi maintenant?
Ah, c'est moi qui ai de... C'est moi qui ai de la monnaie. Ah, ils sont en 1, 2, 2. Bon, normalement, ça devrait le faire. Hein. Blitzer, Spectre, deux momies. Ça s'appelle des spectres maintenant, des lignes, des ghouls. Ok, il y a deux ghouls, deux blodges. Et ils sont 13. Hein. Ils sont 13, ils sont très nombreux. Et du coup, ça va partir un fût de Bloodvaser et puis un coach assistant, je pense. Deux coachs assistants. Allez. Ou alors coach et cheerleader. Non, un petit coach. Non, allez, un coach, une cheerleader. Allez, faisons ça, on est prêt. Et on joue à l'extérieur, visiblement. Et c'est le toss. C'est le toss. Et on a perdu le toss, déjà. Ok, donc il nous laisse la balle parce qu'il y a de la pluie. Et je pense qu'il a la flemme de ramasser à 4+. Ce que je comprends, bien sûr. On va se mettre... Ah non, il prend... Ah, il prend l'attaque. Oh. Oh, bah ça c'est intéressant, ça, parce qu'il a pas de dextérité, il a trois relances. Donc il faut espérer que la balle, bien sûr, reste sur le terrain. Celui qui a dextérité, d'ailleurs... Non, je vais pas le sacrifier non plus, mais je vais pas le protéger. On va faire quelque chose comme ça, je pense. Dextérité, on s'en fout, le piétinement... En vrai, je vais pas vraiment piétiner, et puis c'était un skill gratuit, donc je vais le laisser sur la losse. Et on va juste... hop là, pour le... Pour la symétrie, faire quelque chose comme ça. Voilà. Sauvegarder, défense. Sauvegarder, défense. Confirmé. Et fin du tour. Et cette fois, on va essayer de pas se faire avoir comme la semaine dernière. Putain, ils sont big, les momies. Oh. Ah ouais, ils les ont pas... Là, tu vois la différence avec les autres joueurs, en effet. Alors, on va essayer de pas se faire avoir par le timer. Et donc là, là, on vise le milieu de terrain, là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien au milieu, parce qu'on veut pas une balle qui tombe de notre terrain et qu'il puisse la récupérer. Putain, il a quand même eu la bonne déviation pour que ça lui tombe dessus. Et ça, c'est les ghouls, ça. D'accord. Un peu trop boîte de conserve, non? C'est... Oui, bon, c'est pas... Disons que tu... Ouais. Bah, au moins, ça fait plus imposant que dans le 2, quoi. Et donc là, il va devoir ramasser à 4+. Et il a déjà un joueur... Okay, c'est quoi, ça? Éjecté. Pourquoi il a un joueur éjecté? Le joueur est éjecté du match et ne pourra pas revenir en jeu. Cette expulsion n'est valable que pour le match en cours. C'est quoi? C'est un événement de coup d'envoi? Arbitre officieux. Je comprends rien à ce bout de ball. Qu'est-ce que... Pourquoi? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ok, l'armure a tenu, plus ou moins. Déluge, donc ça, on a vu. Et l'événement de coup d'envoi arbitre officieux, pour chaque manager, on ajoute... Mais laisse-moi tranquille, là. Bon, on n'arrivera pas à savoir, hein, visiblement. Pour l'instant, l'armure, ça tient bien. On va réessayer. Ok. Un joueur, je crois que c'est ça, un joueur choisi aléatoirement est expulsé. Ah, c'est impossible à avoir. Putain, ça, si seulement il pouvait nous le laisser et pas reprendre la main là. Est à terre, c'est. Arbitre officieux. Le joueur a été assonné sur un 1. On ne sait pas. Qu'est-ce que. Il faut que je fasse un truc. Oh, le petit ramassage raté. Oh là là, il roule un 6. Il roule un 6, c'est dégueulasse. Il roule un 6 et un 1. J'ai pas compris là. Ah, il a tenté une passe! Ah oui! Ah, c'est audacieux! Ah non, là il faut reconnaître, c'est audacieux! C'est audacieux! C'est audacieux! On va blitzer par là, hein! On va passer là, je pense, hein! Parce que sinon ici. Ah, ici il a bloc, en fait, c'est un peu gênant! J'ai moins de chances de le mettre au sol, alors que lui. Lui c'est un peu plus facile, je pense!
On va faire ça. Sur un malentendu, ça passe. Ah oui, sur un bien entendu, par contre, pour nous, ça peut bien finir. Hein. Est-ce que je l'expose là, lui? Je pense, hein. Je pense. Lui, je vais le rapprocher. Parce qu'il a quand même dextérité, le boug. Lui, il a quoi, lui? C'est celui qui a sprint. Hein. Donc, lui, il peut aller loin. Lui, on va l'envoyer ici, tranquillou. Là, ça va dodge là-dedans, là, je pense. Je vais bloquer son blitzer ici. Bloquer celui-là aussi, même s'il la bloque. Je vais double marquer, lui, je pense. Ouais. Et puis après, ça va commencer à faire des petites dingueries, je pense, hein, des trucs comme ça, là. Je pense que c'est ça que ça va faire, là. Et puis on relance. Je pense qu'on peut. On peut utiliser une relance. Ah oui, le double 1, on peut utiliser deux relances. C'est n'importe quoi, ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Équilibre. Équilibre, foncez. Hop là. Allez, voilà. Lui, on va le laisser là. Et lui. Lui ici. Allez, comme ça fait encore plus de joueurs autour du ballon. Lui, je vais le relever pour sacrifice pour la patrie. Et puis fin de tour. Fin de tour. Là, je pense qu'on a bien quadrillé la zone. J'ai cramé deux relances, c'est osé. Mais en vrai, là, si ça se passe bien au prochain tour, on peut avoir des joueurs autour de la balle. C'est quoi là? Il a fait. Ah oui, il a même pas fait le bloc, il a dodge direct. D'accord. Ok. Bon, je pense que. Ah oui, non, il va faire les blocs. Ok. Et puis il a rollé un pot. Sur mon blodger, sur pas mon blodger, sur un. Non. Du coup, oui, ce que je disais, c'est qu'au prochain tour. Ah, il fait le bloc, d'accord, donc il ne ramasse pas la balle. Oh, bah ça m'arrange, ça. Ça m'arrange, la petite lutte, là. Ça fait une zone de tacle en moins sur la balle. Y a qui a esquive, là? Y a personne, hein? Y a personne d'autre qui a esquive, donc là, c'est du 3+, hein, pour aller marquer. 4+ avec lui, avec relance. Intéressant, intéressant, intéressant. Ah oui, son autre goule, elle est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il va mettre des zones de tacle sur la balle, je pense. Ah, il tente le pick-up. D'accord. Oh, il roule un 6. Oh, le gougnafier. Il a roulé un 6. Est-ce qu'il va retenter la passe? Carfan, lutteur de l'extrême. Oui, tout à fait. Non, il va pas retenter la passe. On a quoi ici? On a du bloc châtaigne. On a du bloc châtaigne, mais en vrai, on a de quoi faire. Il a plus de relance, hein, d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. De toute façon, faut que je le blitz avec lutte, donc ça va probablement être un blitz avec lui. Je relève lui, il faut que j'amène deux supports, ou alors blitz avec lui. Lui va ramasser. On va voir. Lui peut amener un support aussi. Bon, ça peut être un blitz à 2D assez tranquille. Ok, ça me l'amène ici. Bon, ça va full marquer là, mais en vrai, ça me gêne pas tant que ça. Lui va avoir un peu plus de mal à contourner, donc ouais, c'est les coureurs qui vont devoir apporter le soutien. Ok, ça c'est bien fait en vrai. Le 1 dépôt. Et là, normalement, ça va nous permettre de libérer au moins un joueur, sauf s'il dodge. Et donc, ça nous permettra de ouais, faire pas grand-chose. On verra, on verra, on verra. Ah si, je voulais regarder cette histoire-là. Arbitre officieux. Pour chaque manager, on ajoute le résultat d'un D6 à sa popularité. Le manager avec le score le plus bas, les deux en cas d'égalité, choisit aléatoirement un de ses joueurs sur le terrain. Sur un 2+, sur un D6, le joueur est à terre et sonné sur un, le joueur était éjecté. Ah, d'accord. Donc c'est ça qui s'est passé. Ça c'est du GFI. Ça c'est. Ouais, ok. Je pense que je vais commencer par ce bloc-là avec bloc. Ok, c'est un peu chiant, mais je vais poursuivre. Toi tu vas venir là. Comme ça annule le support. Toi tu vas venir ici. Comme ça va faire un support. Toi, tu peux pas dodge. Ah, tu peux. Si, tu peux par ici. Hein.
peu par ici. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein. Toi, tu vas venir là avant. Oula. Non, je pense que là, c'est bien. Ça bloque un peu le passage. Ça, c'est. Putain. Ouais. Non, on va plutôt faire ça. Hein. Esquive de plus. Et là, c'est un blitz à 2D. On veut un pot. Et ça va se relancer, ça, bien sûr. Voilà, on veut un pot. On l'envoie ici. On poursuit. Petit passage d'armure, ce serait banger. Mais bon, on peut pas trop en demander non plus. Et là, de toute façon, on va mettre lui ici, je pense. Et on va tenter le pick-up à 3+. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois faire avant? Je pense pas. Hein. Je pense qu'on va faire ça tout simplement. Il nous faut un 3+. Il nous faut un 3+. Le 3 est relé et c'est un touchdown. Je vais même pas essayer de stall ni rien parce qu'il a pas de relance. Il pleut donc il va aussi avoir du mal, je pense, à ramasser. Donc autant augmenter nos chances de marquer sur son drive. Parce que du coup, c'est toujours du pick-up à 4+ sans relance maintenant. Par contre, oui, clairement, moi j'ai. Ah, il a une blessure persistante. Moi j'ai cramé mes relances trop vite, mais en vrai, ça a été récompensé. Donc, au vu du résultat, on peut être satisfait. Oh, un kick profond en plus. Coaching brillant. Le manager avec le plus haut résultat gagne une relance d'équipe. Et bon, on a gagné une relance, voilà. Donc, nouvelle. Là, le coach assistant qu'on a pris en inducement, il nous carry. Oh, ça c'est joli ça. Ah non, il a bloc. Non, il a pas bloc. Et les momies, c'est quoi? C'est du châtaigne plus 1? Ouais, c'est châtaigne plus 1. Donc c'est pas en mode big guy. En vrai, c'est fair. Hein. Du coup, sur le terrain, il a quoi? Il a toujours que 2 ghouls. Ouais, il a que 2 ghouls. Et là, il va faire des blocs sans bloc maintenant, de ce que j'en comprends. Et il n'utilise pas son bloc châtaigne. Hein. Et il n'utilise même pas ses bloqueurs tout court. Ouais, je pense qu'on a affaire à un débutant là. Ah, le match est parti. Le match est parti, on va se mettre le score là. Tranquillou. Et c'est un turnover, bien sûr. Alors, il faut qu'on aille investir son côté de terrain. Je pense que c'est ici qu'il faut dégager le terrain là. Parce que les deux n'ont pas bloc. Et on passe par là. Et coucou BO, qui fait. Oula. Il y a une rumeur pour Fekir, Ali Capola qui irait à Galatasaray de Francfort. Ok? J'ai rien compris, j'ai rien compris. Là, faut faire un effort, faut. Faut mettre les bons mots, là, on n'a rien compris. Je vais mettre lui ici. Blitzer avec lui pour commencer. Hop. Ensuite, pas poursuivre et me mettre là, je pense. Oh, ça, c'est bien. Ouais, me mettre là. Et là, il nous faut un pot, évidemment. Et si c'est pas un. Je vais relancer en vrai. Tant pis, ça crame des rerolls, mais c'est trop important. On poursuit pour laisser le passage. On va aller marquer lui, je pense. Histoire de forcer le dodge. On va mettre le. Le lutteur numéro 1 ici. Toi, tu as quoi, toi? Tu as sprint. Toi, tu vas venir là. Hein. Tu vas venir là, comme ça bloque le chemin. Toi, tu vas venir. Ah, j'ai envie de le remettre ici, mais j'ai pas non plus envie de trop l'exposer. Et toi, par contre, tu as équilibre. Toi, tu as équilibre, donc éventuellement, tu peux venir là, quoi. Ça peut être envisageable, et là, ensuite, on tentera le. Lui va dodge. Ouais, on va tenter ça. Je vais essayer d'avancer avec lui. Hop, équilibre, ça relance. Est-ce que je vais marquer? Non, je pense pas. Ah, le équilibre a été utilisé. Non, le esquive a été utilisé. Ok, donc équilibre non. Et toi, eh ben tu vas faire ça, hein, tout simplement. Et comme ça bloque le. Ça bloque l'esquive ici, là. Et ça, c'est plutôt bien. Et lui. Ouais, lui, je vais le tenter. Par contre, là, je vais dodge parce que châtaigne, tout ça, on n'aime pas. Et ici?
Parce que j'ai pas envie de bloc châtaigne sur mes coureurs. Je pense que c'est bien. Kébir Ali, machin, ton joueur de Leverkusen qui irait à Galatasaray. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Mais parce que dans la vraie vie, il est où? Il est à Leverkusen? Ah, il y a eu un but sur Marseille-Nice, un but pour Nice, hein, bien sûr, sachant que c'est à Marseille. Ah, il est à Francfort, d'accord, enfin, je savais pas. Oh, le 1 des pushs. Le 1 des pushs sans relance. Into la momie ou into... Ouais, into je sais pas trop quoi. Hein. Ah, into le blitz, ok. Qui était à 2D. Oh, le 2 au sol. Ça me va, ça. Hein. Toujours Carfan, le lutteur de l'extrême. J'ai eu ça ce midi, d'accord. Très bien. Bon, là, on est plutôt bien. En vrai, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire pour nous embêter, là. Bon, il va aller tenter le pick-up. Ah non, il va pas tenter le pick-up. Oh, ouais. Je pense qu'il aurait tout intérêt à le tenter. Après, le truc, c'est que s'il tente le ramassage et qu'il échoue, il peut se faire surfer, donc ça se défend, en effet. Mais là, c'est vraiment trop facile de blitz à 2D et de le pousser, quoi. Ok, ça enchaîne les blocs à 1D. S'il poursuit, ça me plaît, hein, s'il poursuit. Parce que ça m'offre un bloc châtaigne sur sa châtaigne. Et il poursuit, et donc potentiellement qu'on va pouvoir le surfer au prochain tour. Si je le pousse là et que j'apporte des supports. À 17 ans, Irel et Francfort se seraient intéressés par Alper et Yilmaz de Galatasaray. Oh, le 1D crâne. On prend, bien sûr. C'est un passage d'armure. Il aurait pu bouger ses machins avant. Alors... Ouais, du coup, lui, on va le mettre là, je pense. Comme ça, lui, on va le blitzer par ici. Qui est intéressé par un touchdown? Je pense le sprint, hein. Donc le sprint ramassera. Lui, on va le mettre là pour mettre une zone de tacle sur la balle. Lui, ce sera le blitzer. Lui, on va bloquer. En vrai, je vais pas tenter le surf. Hein. De toute façon, double pot. Qui je suis? Pour commencer à imaginer des choses comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est bien, ça. Comme ça, je marque sa goule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, je marque les deux et là, j'aurai peut-être un bloc. Et puis, ça va partir comme ça. Hein. Pas de relance, par contre. Et un push me suffit. Et nous aurons un pot sur le blodgeur. C'est un scandale, hein. C'est un vrai scandale. On va poursuivre. Passage d'armure. Sachant qu'il y a le plus 1 au jet de blessure, on va le mettre... Est-ce que je temporise un tour? Non, je vais avoir des blocs sur des... Donc non, je vais le mettre ici, comme ça, si jamais il y a un ramassage raté, ça pourrait éventuellement lui retomber dessus. Je vais juste tenter le bloc à 2D... Ici et là, on est quand même bien entouré. Voilà, je poursuis, comme ça je sors de la momie. Retente le bloc là, c'est toujours un push. On poursuit, bloc ici. C'est un pot. On le met là, on poursuit. Et là c'est du 1D sur blodge, on va pas le faire. On va tenter, on va aller tenter le pick-up à 3+. Et c'est un 6, c'est un 6, ça fait 2-0. Bon, je pense qu'il va pas tarder à forfait, hein, je pense. Eh bien, très bien. Continuons. Fin de tour. Et on a joué 3 tours. On a déjà mis 2 touchdowns. 3 tours en défense. Et par contre, j'ai toujours pas compris... Ah si, on a vu. C'était l'histoire du coach, de l'arbitre machin, là. Eh bien, toujours ici. Et par contre, il met toujours... Ah, il y a un piège sur le terrain. Pour la mi-temps, dès qu'un joueur est sur la case trap machin, jeter un D6 sur un, le joueur est considéré comme poussé dans la foule. S'il possède le ballon, il rebondit depuis la case. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. Oh, le 1 dépôt. Oh là 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 là. Oh, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. L'armure est passée. Je
Je pense qu'on a. Parce que oui, il avait. Là, il a des 3D. Il peut faire des blocs avec blocs. Il commence par. Tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour nous. 2-0 sur 5 mi-temps. Ah oui, tout à fait. Et puis je pense que ça. Ça peut tourner à 3-0 même. Hein. Après, là, il a bien fait, il l'a avancé. Parce que du coup, c'est un peu plus dur de faire les blocs. Là, il va faire un bloc à 2D. Ok, il avance la ligne. Ce sera un push. Est-ce qu'il poursuit? S'il poursuit, ça m'offre une ouverture. Il ne poursuit pas. En vrai, ça m'offre une ouverture quand même. Le pick-up. Et c'est un. C'est un, c'est un. Nous avons une carte à jouer, bien sûr. On va être obligé de sacrifier. De sacrifier lui, je pense. Ou sinon, je tente le passage sur le côté. En vrai, le plus simple, c'est le passage ici. Mais il a bloc et en cas de push, ça marche pas. Alors que lui, dans tous les cas, ça marche. Donc faisons ça, tout simplement. Toi, viens ici. Toi, tu peux. Ouais, non, tu peux pas vraiment. Donc toi, viens ici. Faudra que je le protège. D'ailleurs, je vais faire ça dès maintenant. Avec toi plutôt. Ouais, toi ici, et puis on verra après. On verra après. Là, en gros, en cas de double crâne, bien sûr, il peut me surf. Et de double 2 au sol, ce serait terrible. Le push, on prend. Le push, on prend. On poursuit. Paf, on va double marquer. Toi, tu vas venir après coup. Tu peux venir là? J'aurais pas dû le mettre là. C'était bête. C'était bête, c'était bête. Et j'ai pas de relance. Toi, tu as sprint ou équilibre? Toi, tu as équilibre. Venir ici, c'est coûteux. C'est double équilibre. On va tenter le premier. Ok. Et on va tenter. Et ben on va tenter le deuxième même. Voilà. Toi tu vas venir ici ou ici? Mmh. Là, il n'y a pas trop moyen de passer. C'est que du 2 plus. Toi tu vas venir là pour protéger. C'est de l'esquive à 3 plus, ça. Mais en vrai. En vrai, si ça passe, on est bien. Ok, ça passe. Hop. Après, on va pas non plus trop se commit. Toi, tu vas venir là. Je vais tenter le 1D. Et s'il passe. Oh, le 1D pot. Oh là là, c'est banger ça. On reste sur place. On reste sur place, tout à fait. On reste sur place et on vient marquer cette énergumène, votre. Ouais, bon, ok, on a gagné. On a gagné, on a gagné. Bon, c'était attendu hein, que ça forfait. Je pense qu'il a dû en avoir marre aussi que je prenne 3 plombes pour jouer. Mais bon, il fallait réfléchir pour faire les choses à peu près bien, quoi. Et on a frac, hein, joueur du match. Est-ce qu'on refait un level up random là, sur le coureur d'égout? Je pense que oui, hein. Je pense que oui, 4 SPP. Et on voit ce qui tombe. Sournois. lorsqu'il commet une agression, ce joueur n'est pas sorti sur un double naturel lors du jet d'armure. Je vais le virer par contre. Il avait quoi? Bon, il avait sprint. Ouais, je vais le virer. Je vais le virer, je vais le virer. C'était beau jeu de tenter ça, mais le deuxième skill était pourri. On recrute un nouveau. Voilà, retour. Et lui, il a des compétences de passe en vrai. En vrai, je vais faire du aléatoire là-dessus. Nouvelle compétence sur le ballon. Qu'est-ce que c'est sur le ballon? Ce joueur peut se déplacer de 3 cases, peu importe son score de mouvement, en respectant les règles de déplacement, quand le manager adverse déclare une action de passe ou l'utilisation de la compétence délestage. Cette compétence peut aussi être utilisée après le coup d'envoi par un joueur démarqué. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est rigolo, donc on va garder. On va garder, on va garder. Et on a 120. On a 120. En vrai, je vais virer lui là. Parce que le double. Ça prend de la TV pour rien. Hop.
Et on va racheter un coup un... On en rachète deux même. On va en racheter deux. On va en racheter deux. Hop. Et ben voilà, YouTube, fin de l'épisode. Félicitations à tous. Et on se retrouve pour le prochain épisode, bien sûr.